aider. Mais arrête, s'il te plaît, arrête, j'ai envie de jouer. On a tout en sac. On a tout en sac. Easy. Putain, le Yasuo est dur à porter, hein. Non. Genre, regardons les dégâts. Regarde pas les dégâts, arrêtez. Reculez. Regardez pas les dégâts. Fermez la page. Incroyable. Oh là là. Oh quoi, faut que je tire au canon. Mais il est où le drapeau? Ah, il est là-bas. Ah. Je vais réussir à le faire en un coup de canon. Tu l'as fait en un coup de canon, toi? Ouais, je l'ai fait en un coup de canon, ouais. On a l'info là de... Oui, je l'ai fait en un coup de canon. Ok, d'accord. C'est parce que t'as une meilleure définition sur ton écran, du coup tu peux voir le trou. Ouais, complètement, ouais. Vise bien. Vise bien, mec, vise bien. Ah, dommage. Aïe, dommage. Il y a une putain de strat. Dommage, frérot. Ah, mais c'est un fake trou. Dommage. Mec, j'ai regardé Insaisissable et ça, c'est du faux, ça. Voilà, je savais. Dans la magie, faut pas croire tout ce que tu vois. Vous êtes venu voir le résultat? Vous êtes venu voir Frankenstein? Vous êtes venu voir ce que donne ma gueule maintenant? On m'a greffé des bouts de peau. On a repris des peaux de mes fesses pour me les regreffer sur le visage. Je suis défiguré! Il y a eu 5 mecs qui ont voulu me prendre mon tel, mon Mac, voilà, moi main dans les poches, tu me connais. Il tente la droite, j'esquive, tel Jackie Chan, main dans les poches. Un autre tente, j'esquive, du coup il frappe son pote. En voulant me frapper. Après, un mec prend une bouteille, me balabince dans la gueule. Ça me fait ça, mais je reste neutre. J'en balaye un, j'en balaye deux, les trois autres partent en courant. Après, la vraie, du coup, c'est... Bah, je suis en trottinette, je suis dans la rue, il gelait, donc forcément, c'est un peu glissant. Et moi, je m'amuse à faire des zigzags comme ça. En mode, je fais du ski, tu vois. Et forcément, à un moment, bam, je glisse. Et poum, sur le bitume. Donc, je suis full con, c'est ma faute. Adventure 4. Apex Legends, Anthem, Animal Crossing, Assassin's Creed. Aventure 4, je connais pas. Juste pour vérifier. Hein. Ouais, ça a l'air d'être un jeu. Ok, meilleur jeu d'aventure 2020. Ok. Ok, bravo le gars. Eh les gars, Aventure 4, je sais pas si ça existe. J'ai juste tapé Adventure, j'ai mis le chiffre au hasard. Alors, what? Mais pourquoi l'autre il a lâché meilleur jeu d'aventure 2000 machin là? Il a sorti sa meilleure disquette. J'ai tapé Adventure, je me suis dit vas-y, je vais rajouter un chiffre, ça va passer comme un jeu vidéo. J'ai mis 4, je me suis dit vas-y. T'es vraiment une merde. Non, je trouve que dans un cas de pareil, on est obligé. Ça invite à l'amour. Tout invite à l'amour. Bah, on va. Oui, on va voir, mais en tout cas, c'est vrai. Oh, il s'est pris une balle. Oh, on le sent. On le sent là, là, il y a une douleur. Pah, dans la côte. Là, il s'est pris une sacrée balle. J'ai senti t'emballer. Oh, deuxième balle. Oh. Ah, Pierre, Edouard, t'as vu le dégradé de Pierre Jean ou pas? Et non, elle regarde l'arrière du crâne, gros. Bah, c'est bon. Non, franchement, à l'avant, c'est carré, tu vois. Mais à l'arrière, gros. Aïe. Ok, bon, vous voulez me terminer? C'est bon, Pierre Jean, t'as été chez le coiffeur. J'ose pas me retourner. Contre viewer. C'est pour vous, les viewers. Ok, j'enlève mon casque. Je rigole déjà à l'avance, gros. Parce que je sais ce qui se cache en dessous. Wesh. Bon, je vais vite faire chier, j'arrive. Je vais voir si je peux rentrer le cheval. T'es où, petit tonnerre? Petit tonnerre? Ah, tu es là, fidèle destrier. Mon but, c'est de le rentrer dans la baraque. Oh, Haken, la gueule qu'il va vous faire quand il va avoir un cheval dans la baraque. Voilà, petit tonnerre. Allez. Bon, bah, Clément, on va devoir cohabiter avec petit tonnerre. Hein. J'espère que ça te dérange pas. Un peu de crottin dans la baraque. Oh là là, la gueule de Haken quand il va voir que dans notre garage, il y a un cheval. Allô. Clément. Ouais. J'ai une surprise pour toi. Tu te souviens ce que tu me demandais pour ton anniversaire? Oula, j'ai peur. On a un nouveau colocataire. Attention, je l'ai acheté vraiment récemment, quoi. C'est vraiment un cadeau incroyable. Hein. Dis bonjour à Petit Tonnerre. Qu'est-ce qu'il fait dans la baraque? Il vit avec nous maintenant. Que tu acceptes ou non. Elle est insane. Mais les musiques de Bruno Mars, en vrai, les gars, t'as envie de t'ambiancer, tu vois. Mais vraiment. Là, je suis à fond, moi, tu mets du... Mais vraiment. T'as envie de t'ambiancer, mais quand tu sais danser, tu vois. Moi, le truc, c'est que je sais pas forcément danser, tu vois. Genre, j'ai des petits... Moi, c'est le classique.
Genre, vraiment en soirée, c'est le classique du... Droite, gauche, droite, gauche. Salut, tu vas bien? Ouais, ça va, et toi? Ouais, bah super, impec. Hey! Et on reste comme ça, pendant 10 minutes. C'était quoi déjà quand il a fait le match chez Daniel, avec Daniel Riolo? Qui l'a, Pierre Jacques? Ah bon, tiré coup franc. J'ai dit... Applique-toi, hein! J'ai dit non, l'histoire, hey, il a rafalé. C'est pas ça le truc drôle dans cette histoire, Dois, c'était complètement à côté de la plaque. Le truc drôle, c'est que j'y suis allé en courant en disant laisse, t'inquiète, laisse. T'as vraiment dit ça? Ah oui, j'ai dit laisse, t'inquiète. Pourquoi tu m'as avisé quand t'as dit bah viens? Ça sert à rien de me viser, tu vas perdre le fight. Allez, viens. Bon bah, challenge accepté. Faisons un duel à l'amiable alors. Dos à dos, on avance de quelques pas et on se retourne. Vas-y. Dos à dos, voilà, bouge pas. On compte jusqu'à 5 en courant devant et on se retourne. Bon. Jusqu'à 3 plutôt. En courant devant. 1, 2, 3, tu vois. Ok. Allez, go, on y va. 1, 2, 3. 3, 4, 5. On m'appelle Green Arrow, frérot. T'as perdu ton duel. Mais c'est mis à headshot et deux flèches. J'ai win face au meilleur joueur français de ces dernières années. J'ai win. J'ai remporté ce duel. Revanche ou rien. Je reste sur cette victoire. Ça me va. Personnellement, ça me va. Ouais, mec, ça va ou quoi? Ça va et toi? Allons en salon V1. Je suis en train de faire pipi, attends. Salut, Doise. Pourquoi je suis en live moi à chaque fois qu'il est là? J'arrive, il me dit attends, je suis en train de faire pipi et on l'entend pisser en fond, il me répugne. Aïe. Attends, il pisse là? Il me dégoûte, il est avec son casque chiotte. Qu'est-ce que tu fais? Oh, depuis un jour. Eh, mais t'as un casque Bluetooth? Bah ouais, mec. Tu me dégoûtes. Oh, oui, j'avoue. Ouais, vas-y, on fait une balade. Arrête d'accélérer. On est parti en balade tous les deux, main dans la main, c'était un beau moment. J'ai apprécié ce moment, Clément. Bien ça le problème. Regarde, on se balade main dans la main. Prends-moi la roue, mec. Il t'a TK là ou je rêve? Dois, il t'a TK. Ouais. Tu me donnes un signal, je le dégomme. Dégomme-le. What the fuck are you doing? You kill my friend! Voilà, c'était bien drôle, c'est, oh, c'est Eric et Ramzy, super, allez. Voilà, hop, allez, hop, c'est bon. Je sais pas le faire, je sais comment t'as fait. C'est juste un... Attends, allez. J'arrive pas à le faire. J'arrive pas à le faire, attends. Allez. Voilà, t'as truc. Ça va. Dans deux secondes, tu savais qu'en bas il y avait une caisse légendaire ou pas? Je viens de l'apprendre. Mais non, c'est que je m'en fous. Ah. Thank you. You're welcome, brother. Fuck French. Yeah, fuck French. We can't, no, it's good, friend. We have the moulin rouge, le croissant, le baguette, le fromage. Man, to get coronavirus. No. What? Coronavirus. No. Let us with this, dude. It's not the good time. Too soon, this joke. J'ai vu sur le Discord de la chaîne, j'ai mis un lien de la nouvelle version avec le confinement. Fucking French, fucking. Putain, c'est trop chiant. On veut juste m'insulter. Yeah, fuck. You are all bad person. Stop insult me. Stop getting a fucking boost, you piece of shit. D'accord. Where are you from, guys? I'm from the Netherlands. Oh, nice. Where? Oh, it's like German, but in the north. No, that's Denmark. Quel enculé. Comment manquer de respect à tout un pays. Bro, go téléporteur, on le cut. Il faut que ça passe. Cercle de la honte, le cercle de la mort. Cet homme sera notre sacrifice à tous. C'est le cercle de la mort. Voilà. On fait des invocations. Faites le cercle. Le cercle de la mort. Go! Ah non.
Ça me fume. Lugo, la cercle avant la mort. Non, il m'a eu. Non, oui, on l'a eu. Ouais, peut-être une strat à faire avec ça. Hein. Il y a une strat à faire. Vous êtes prêts? Te relève pas. Le 3, plus le 2. On mort. Ça, c'est la strat, ça. Je vais tenter un truc. J'ai besoin d'une arme. Je me suis dit, oh, il y a un pigeon qui me l'a acheté. Pardon? Ah, c'est toi. J'ai vu Victor en bas à gauche, j'ai fait attends. Le pire c'est que je fais oh, je suis gentil, j'attends oh, le bon pigeon. Rebouge. Non. Oui, peut-être aussi, possible. Oui, everybody know do this, okay? No. Yes. No. I do this all the time, dude. It's not. It's huge. No, it's not huge. It's not huge. Listen, your friends. Everybody okay, know. Anything. What if I do it a second time? Il a fait la fake TP. Yeah, do it a second time. Not as huge. Heaven. Heaven one. Dernier joueur en vie. Yes. Oh, where are you going? He's on, the last is on B, and he threw MMA, so... Your brain is huge, dudes. I wouldn't believe that you play Call of Duty. I wouldn't believe your brain's capable of that. I'm not just a random on the online. I am one of the best players in the world! J'ai mis de la baffe sur mon écran. Oui, quand même, à ce point-là. Tu y as cru, quoi. Oh, putain. La roquette m'a laissé une goutte de transpi. Info. Oh là là, c'était magnifique. Je suis un téléporteur. Y'a Omen là, de suite à droite. Là derrière nous. Je suis un téléporteur. Pierre Ja, il est fort. Il est très fort. Ah, Pierre Ja, trop fort. Point faible, trop fort. Je décale B. Je suis top B, ils m'ont pas vu. Let's go! Let's go! Insane Pojo. Let's go! Attends, je vais poser la question à tout le monde, c'est plus simple. C'est plus marrant. Les gars, est-ce que vous aussi, des fois, quand il reste genre la dernière goutte dans le caleçon, après vous puez du caleçon? Au bout de 3 jours, ouais, en général. Ah non, moi c'est instantané, donc je trouve ça un peu embarrassant. On a 12 ans et demi. Genre là vraiment cette game on a 12 ans gros. C'est des Français, c'est rigolo. Bon on rigole mais tranquille on va remonter. Les gars vous préférez faire quoi? Une game où vous vous amusez ou une game où vous gagnez? Toute la journée. Oh, les deux non? Ah les deux c'est bien mais là je crois qu'on a pas le choix. Hein. Là je pense qu'on a pas le luxe de choisir. Oh, putain. Bon venez on déconne parce que... Je crois que c'est tout ce qu'il reste à faire. Là on peut pas se permettre de choisir hein. Ouais, c'est vrai que là on prend 6-0 donc autant bien rigoler. J'ai envie de tenter un petit when I say let's you say go. Good job team, good job, let's go. When I say let's you say go. Let's no. Go. Let's no. Go. Don't say no. We need teamwork, okay? We need yes, we need teamwork motivation. And energy. Okay, try again. Okay, I'm gonna try something else. Who let the dogs out? Who let the dogs out? Let's go. That's crazy. C'est les boss. C'est les boss. Prêt? On remonte? C'est incroyable. Nice, ça. Let's go. Ça part de là. Let's go, start from here. Quand je dis starting from the bottom, vous répondez tous now we here. Start from the bottom. Now we're here. Ils ont failli me mettre avant. Yeah, let's go. On va soulever des grands-mères, je vous le dis. Refine, RMB pick-up. Oh, j'ai piqué. Waouh. Waouh.
Et c'est comme ça qu'on inventa le christianisme. Dire. Deux secondes. Casse-toi de mon véhicule, dans deux secondes je roule. Alors, mec. Avec ça, le Garmo, il va bombarder. Bon, en tout cas, maintenant que j'ai compris comment ça marche, passons à la fusée. Mesdames et messieurs, vous avez devant vous la première étape du partenariat SpaceX Pirja. Nous avons mis nos meilleurs ingénieurs sur le projet. Ils sont un peu en train de chier dans ta fusée quand même. Ah non. Hop, elle tient, et là je décolle. Mec, t'es prêt à voir le premier lancement de SpaceX Pirja? Viens, ceci est un moment historique. Tu vas voir le premier lancement de SpaceX X Pirja. Attends. Tiens. Non, enlève. Let's go. Wouh! What the fuck? Mais gros! Je suis un ingénieur! Mais c'est quoi on ça? On entre dans l'histoire! Pas mal, hein? Eh, personne croyait en moi, mais on l'a fait, hein? Moi, quand j'étais petit, j'avais déjà tenté de scotcher des ressorts à mes chaussures. T'as jamais fait ça? Bah, fun fact, ça marche pas. C'est pas envisageable. Heureusement que tu me le dis, parce que franchement... Tout le monde n'a clairement pas fait ça. Oui, bon, après, j'étais peut-être un enfant à part. Je demanderais de pas me juger. Il y avait des idées, quoi. J'étais un peu le Léonard de Vinci des enfants. Je cherchais à inventer des trucs. Heureusement que t'es là pour me le dire. J'étais en train de scotcher des ressorts. Des génies. Je marche depuis le début alors que je pourrais sautiller dans la rue. Mais gros, ce serait grave lourd. T'es prêt, mec? À ton avis, qu'est-ce qui va se passer? T'as vu ma moto? Non! Oh là là! Oh, ça bombarde! Oh là là! Gros, je vais faire un vortex! Je vais faire un vortex! Gros, je m'arrête pas! I have been falling for 30 minutes! À la fin de la game, les gars, je vous montre mon nouveau décor. Vous le sentez à ma tête que c'est une connerie. Bon, je vous montre mon décor. Bah c'est... Finalement mon père a fini le sous-sol qu'il me prépare depuis plusieurs mois. Et du coup voilà mon nouveau décor. J'espère que vous aimerez. J'ai 5 ans. Dégage. Non, il m'a poussé, j'avais trouvé le chemin en presque. Oh non. Je sais pas s'il y a des mecs derrière moi, c'est chiant. Oh my god, we're back again. Oh, fils de pute. Oh, toi. Oh, Victor, viens là. Oh, Victor. Vas-y, lâche-moi, y'a d'autres queues. Non, mais laisse-moi. Y'a d'autres queues, mais celle-là, c'était la mienne. Et dégage. Non, reviens là. Reviens là! 9 secondes. Maxime, tu peux le faire! Speedrun Maxime. 5! Je suis désolé, Max. Mais putain, mais ça pète! Je l'ai pris sa queue! Yes! Vengeance pour toutes les fois que tu m'as fait tomber, Max! Ce bouffon, s'il dit que je stream, il est trop con. Mais ferme-la! Rice, t'es trop con, dis pas aux gens qu'on stream, espèce de débile! Moi, je veux que tu te fasses stream, Max! Mais gros, y'a des gens qui vont venir, ils vont voir un. Pirja, il est loup! Comment tu sais? Un instinct! Mais on va le cramer si je fais ça, le bâtard! J'ai le nez fin! Ça va aussi! Tu te souviens de ce jeu? Quel jeu? Ce jeu. Ça roule? Ce jeu. Celui-là? Fall Guys? Ce CE. Ça veut dire. Celui-là, là, avec la barre? Ouais, je me souviens. Du con! Pardon? Non, t'as pas l'arrêt, merde. Non, là pour moi c'était juste une insulte gratuite. Voilà. Je veux bien l'arrêt parce que là vraiment c'était un peu violent. C'est Tu sais les pubs Euro Million là, je peux pas Euro Million mais. Ah, là, Bravo Loto. Bravo Loto. Ok. Tu sais, ils prenaient des acteurs là, de merde. Sinon, Enculé, ah non, t'as pas la ref. Putain. Dommage. Eh, espèce de merde. Ah merde, putain, bah je te montrerai la ref, un de ces quatre. J'ai peut-être emmerdé la mauvaise personne. Ah, le hot dog et moi là, on est bloqué. Tu veux quoi toi? Mais toi, tu veux quoi toi? C'est toi, tu veux quoi toi? J'ai rien fait, c'est bon, lâche-moi là! Tu regardes de travers! Mais je t'ai pas regardé de travers! Et je vais te niquer ta mère! Oh, arrête hein! Dégage! Mais il va vraiment me faire tomber. Ouais, et moi je vais l'aider. Mais arrête, s'il te plaît, arrête, j'ai envie de jouer! Non,
heure du coup, c'est 22h59. Touche. Oui. Oh. Elle est dedans. Non, non, elle est pas dedans. Aïe, aïe, aïe. Il t'a joué au mental, Victor. Quand il a dit elle était dedans, je t'ai vu, t'as paniqué. Clairement, j'étais en... Mais non, il est où? Olivier Tom, mais non, il ne peut pas faire ça. Mais c'est impossible. Ouais, le pire, c'est que moi j'ai checké les tweets de Weshden sur son album. Elle a fait 2 tweets de promo la veille de l'album, et le jour de l'album, elle a rien tweeté. Son seul tweet, c'est cool. C'est... En fait, c'est pas comme si elle avait répondu à plein de gens qui l'avaient arrobas ni rien. Genre, elle a juste répondu à Zach Nani, genre. Mais tu sais pourquoi? Moi, je pense que ça lui fait mal, et je pense qu'elle le connaît, qu'elle regarde ce qu'il fait. Très honnêtement, elle a 16 ans, c'est archi possible que ce soit pour ça. Hein. Genre, ouais, avec Radio Sex et tout. Avec Radio Sex et tout. Vraiment, me dire que dans chaque mention, un mec va écrire gros bouffon, ça me termine. C'est le retour, genre, à la limite du Fnac Darty, Pack d'Ice Tea, Sac Kaki. Ça me foutait juste la haine quand il y a des gens qui l'utilisaient mal. Il y en a, ils écrivaient nappe, hein. Ils écrivaient Coca-Cola, non, ils avaient pas compris. Genre, ouais, clairement. Il y a eu un mec qui avait fait ça pour Sardoche dans un chat, il a écrit Sacoche, ça m'a terminé. Ok, Sacoche. Non frère, non. Non, je veux bien qu'on rigole. Je veux bien qu'on rigole. Mais bouge ton cul, putain. On est où là? Il a dit ça comme un daron. Oh non, je veux bien qu'on rigole. Mais tu fais tes devoirs un moment. Je veux bien, on s'amuse, on raconte des blagues et tout. Mais je suis pas merde. Il a dit je veux bien qu'on rigole. Et c'est un gros daron, putain. Ça me termine. C'est vrai que c'est typiquement la phrase de mon daron quand tu rigoles avec lui, tu vas trop loin. Non, je veux bien qu'on rigole, mais là tu dépasses les bornes. C'est exactement ça. Exactement. Ça va être tendu, il faut réussir à faire 2 grosse kills. Grosse synchro. Neil, il prend trop le lead de la game, faut le fumer. C'est pas mieux de payer, hein. Ferme ta grande gueule. Mais gros, c'est trop aussi. Les gars, je viens de voir Neil décapiter un mec. Non mais ferme ta gueule Pirja, ferme ta gueule. On t'a tous entendu gros, tu t'es pas mute. C'est bon, terminé. Neil il est chaud. Tu t'es pas mute gros débile. T'as dit Neil il prend trop le lead de la game, faut le fumer. Moi 4 fois en découvert Pirja et ça dégage, on a gagné, c'était Pirja Godanu, terminé. C'est ouf. Hier, on a la promesse. Oh, j'ai remarqué un truc, c'est que la nuit, quand il y a peu de monde sur les serveurs, le jeu il est incroyable gros. Là mec, je peux... Tous mes joueurs c'est des briques, vraiment c'est des briques. Je comprends pas. Je comprends pas. En fait ce qui me saoule avec ce jeu, c'est que c'est tellement incroyable. Mais ça va aussi, je peux marquer. Mais what? Mais je viens de faire 10 poteaux à la suite. Mais... J'ai jamais vu ça en 20 ans de carrière. Je commence à mettre un petit peu de musique, tout ça. Et puis à un moment je les galoche et puis ça fait deux fois la patin. Elle me regarde. Elle me regarde. Ouais. Et, elle commence à parler et je lui dis non, chut, ta gueule. Et du coup je la regarde. On a trouvé le mal alpha, il est là, oui. Je suis debout dans mon appartement, j'ai racheté mon t-shirt. Il est là, messieurs dames. Vas-y, continue. Donc, je mets la podka, je me mets sur elle, on est en initio, je vais pour entrer, et putain, ça rentre pas. Donc, je force un peu plus, genre, ça rentre toujours pas. Je commence à sentir que ça fait mal, je suis là, je fais putain, mais ça rentre pas, c'est chiant. Puis je regarde, et là, je me rends compte qu'en fait, je visais son nombril. Allez, bonne soirée, salut. C'est un troll ou pas? Non, c'est un troll, ça. Non, non. Ah. Non. Attendez, j'attends que ça se calme. J'ai pas peu. Entendu, c'était quoi l'histoire avec le nombril? Oh non, on se barre. Non, laisse. Non, c'est le chasse, il est là. Non, je rigolais. Le placard. C'est bon, vous pouvez sortir. Kenneth Clark. Arrête. Attends que je pose la caméra. Ah, pardon. Kenneth Clark. Bon là. Ah non. Putain, mais non. Robert Brown, il s'appelle Robert Brown. Il s'appelle comment? On va se refaire Robert plus. Robert Brown. Robert Brown. Ok, je crois que c'est ici. Robert comment? Robert Brown.
Bah je demande, il est où? Du piano, il a fait du piano. Il a joué du piano. Debout ou pas? Debout peut-être. Oh, oh, toi t'es mon gars toi. J'espère que vous me voyez à la cam. Ouais, on te voit là. C'est pas mal en vrai, la qualité est cool hein. Vous voyez toi la cam? Ouais ouais, ouais tout, j'ai hâte de devoir te faire buter. Demande lui de te répondre, de te dire un petit peu. Je sais pas si vous avez remarqué. Non, pas.